Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en Belgique avec Patrick Collignon. Comment vas-tu, Patrick? Bonjour, ça va très bien Anne. Et comment ça se passe chez toi? Pareil? Ça se passe bien. Donc, tu es coach, auteur et tu es aussi un leader chez doTERRA. Alors, écoute, j'ai envie de savoir comment s'est passé ton confinement, d'abord au niveau familial. Écoute, au niveau familial, nous on a les enfants un jour sur, enfin une semaine sur deux plutôt, c'est en garde alternée. Alors on a une semaine très calme à deux et une semaine beaucoup moins calme à cinq. Ben, normalement on aurait pu être huit, mais maintenant les grands sont vraiment très grands. Et donc on a récupéré tout ce qu'on déléguait d'habitude, par exemple au professeur. Donc c'est tout est revenu à la maison. C'est assez bizarre, c'est assez condensé. Ma fille qui a 18 ans. Elle n'a plus vu aucun de ses copains alors qu'elle est pratiquement jamais à la maison. Ça a complètement changé son rythme aussi. On a un peu décalé nos horaires pour être comme ça, ils vont au lit plus tard parce qu'ils aiment bien. Et puis on se lève plus tard parce qu'ils aiment bien. Et puis ils ont en fait jamais suffisamment de boulot de l'école pour remplir leur journée. Et en même temps, avec tous ces changements un peu bizarres et surtout très brutaux, parce que ça s'est arrêté du jour au lendemain chez nous, enfin, comme en France, hein, j'imagine, eh bien, ça a resserré les liens. En tout cas, au début, ça a clairement, vraiment resserrer les liens. On a été soudés comme pas depuis, je pense, je sais pas, 5, 6, 10 ans, vraiment, depuis très, très longtemps. On n'avait pas été aussi soudés, aussi en bloc comme ça. Et puis après, bon, ça, c'était à 2 mois. Hein. Donc, les dernières fois où ils sont arrivés, où ils sont venus chez nous, c'était un peu plus tendu parce que je crois que le temps est vraiment long pour tout le monde, y compris pour eux. Et puis, il y a des échéances de fin d'année ou des échéances carrément de fin d'études, puisque ma fille, elle passe normalement son bac. Ah Donc, oui. toute la fin de ses études, enfin, en tout cas, des études de cet âge-là, du lycée, c'est fini, quoi. Enfin, tout ce qui était prévu, le bal de machin, la proclamation devant tout le monde, tout est en train de s'arrêter et elle est complètement dépitée. Bon, donc du coup, tu t'y connais, t'es bon en terminale, on peut t'envoyer quelques élèves. Ah non, parce que maintenant, avec tous les réseaux sociaux, ça tombe très, très bien. Enfin, ça dépend, en fait, parce que tout ce qui est dissertation, on en discute avec ma fille, parce que c'est chouette, maintenant, c'est intéressant, c'est tous des trucs un peu, soit politique, soit. C'est un peu plus global que juste de la conjugaison ou des petites rédactions. Donc là, on en discute vraiment, c'est chouette, elle me challenge, je la challenge, on échange des idées, comme ça, elle peut faire tous ses textes. Ou bien elle m'a demandé de faire la voix sur un documentaire qu'elle devait faire en art sur l'art contemporain. Donc, elle a fait pondu tout un texte, je l'ai lu. Donc, non, il y a vraiment eu des chouettes petits moments. Mais alors, maths, ça va le faire. Non. Ma science, pas. Littérature, ça va aller. Anglais aussi, mais alors, il y a des matières. Je ne suis plus au lycée, je suis content en fait. Il y a des choses qui ne me manquent pas du tout. Qu'est-ce qui t'a manqué le plus là pendant ce confinement en famille? La vraie vie, donc les vraies relations, moi, quand je fais du coaching, c'est généralement individuel, donc c'est vraiment one-to-one. Alors, heureusement qu'on a, même comme on est en train ici d'enregistrer une vidéo à distance, heureusement que tous ces outils existent aujourd'hui, parce que la même chose, il y a 25 ans, ça aurait vraiment été l'enfer. On aurait pu se faxer les questions de coaching et puis se faxer les réponses, ça aurait vraiment été l'horreur. La télécopie, c'est chouette, mais ça a ses limites. Au moins, il y a une interaction. Mais ça ne remplace pas la personne en face de soi et tout ce qu'on peut observer et ressentir quand quelqu'un est à moins de 1,50 m apparemment. Enfin non, en fait, ce n'est pas vrai parce qu'en coaching, je suis rarement à moins d'1,50 m. Mais bon, voilà, là, les personnes sont plus face à moi. Par contre, je fais extrêmement rarement par téléphone. J'ai vraiment besoin quand même de voir les personnes, histoire d'avoir cette réelle complicité. Mais ce qui me manque, c'est le lien. Le lien, d'accord. Ok. Alors, comment s'est passée ton activité? Est-ce qu'il y a une baisse d'activité? Une chute, tu veux dire. Chute? Il y a des gens qui baissent, il y a des gens qui chutent, et puis il y a des gens qui n'ont plus rien. Donc moi, ça va. Je n'ai fait que chuter. Je ne suis pas à zéro, zéro. À côté de ça, tout ce qui était formation, tout ce qui était atelier, tout a sauté. Je veux dire, mais vraiment, ça a d'abord été reporté, et puis là, c'est annulé parce que en fait, c'est vraiment une espèce de cascade de dominos où, pour finir, ils étaient déjà. Enfin, si septembre est full et que tout juin doit se mettre en septembre. C'est pas mieux que pour tous les spectacles et pour toute l'industrie culturelle. Voilà, c'est du truc, c'est perdu. Les coachings, ben forcément, il y en a moins parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout à l'aise avec une caméra. Et puis, il y avait du travail de fond à faire. Heureusement, là, par contre, ça m'a dégagé un peu de temps pour clôturer des vieux dossiers ou des trucs qui traînaient. Ça, c'est plutôt pas mal.
Donc, une baisse d'activité, mais par contre, c'est le futur où ce n'est pas du tout clair, quoi. Parce que la baisse d'activité, ça, c'est encore le présent. Alors, demain, il y a aussi il y a le monde d'avant, il y a le monde de pendant, et puis il y aura le monde d'après. Mmh. Et puis, bon, j'imagine que tu en parleras dans quelques minutes. Par contre, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire pendant le monde de maintenant, du confinement, ouais. pour aussi aider les gens à être sereins par rapport à la situation, parce que d'une part, c'est stressant, hein. Quelque chose s'arrête, on est dans du changement, c'est par définition stressant. Et en plus, on allume la télé, et là, c'est même plus stressogène, c'est l'anxiété pure qui nous tombe dessus. On compte les morts, on se dit que ça ne va pas aller, on se dit que tout va faire. Enfin, c'est franchement dur à supporter. Donc, pendant jusqu'à cette semaine, en fait, j'ai fait un live tous les matins qui s'appelait Good Morning Serenity, histoire d'avancer, donc de partir de l'idée que notre cerveau, il est là pour assurer notre survie et il fait son job très très bien. Par exemple, il nous met du stress, ça assure notre survie, on est en mode protection. Donc, si on veut être épanoui et serein, bien, il faut avancer sur le chemin et ça, c'est l'effort qu'on doit faire parce que notre cerveau, il ne va pas le faire à notre place. Donc, c'est vraiment l'idée de pirater son cerveau, pirater le fonctionnement normal du cerveau de manière à dégager en l'occurrence de la sérénité. Et depuis cette semaine, puisqu'on est en déconfinement, ça a changé de nom, ça s'appelle Love-toi et marche. Ok, et on peut te trouver où alors? Sur le groupe Love-toi et marche, donc L-O-V-E, toi comme T-O-I et marche comme ça se prononce. D'accord, je crois savoir quand est né ce... Oui, c'était il y a 4 jours. Il y a 4 jours. L'histoire, c'est apaiser les gens pendant le confinement, parce que c'est quand même franchement une période bizarre. Et puis maintenant, préparer la suite. Donc, Love-toi et marche, c'est vraiment l'idée d'y aller. Et puis, en se mettant d'abord face à face dans le miroir, en se regardant droit dans les yeux et en se disant « je t'aime ». Et ça a l'air tout bête. Hein. Mais le fait vraiment, ce n'est pas une évidence. Donc, c'est le premier challenge que j'ai mis le premier jour de Love-toi et marche. C'est voilà, le challenge aujourd'hui, c'est tu te mets face à ton miroir, tu te regardes droit dans les yeux parce qu'en fait, on se maquille, on se rase, mais jamais on se regarde dans les yeux. Droit dans les yeux, sans rien dire, 3 minutes. Et à la fin, je t'aime. C'est le challenge. Ok. Donc ça, c'est en tout cas, tout ce que tu fais le matin, c'est à quelle heure et c'est gratuit? Ouais, alors, c'est à 10h10, parce que nous, on a appris à conduire une voiture, tu vois. Oui, c'est vrai. 10h10. Donc, c'est à 10h10 pour bien rester sur la bonne route. Sinon, après, tu vois, ça peut aller dans tous les sens. Donc, non. La route de la sérénité, la route de une chouette vie qui nous ressemble, qui a du sens, qui nous épanouit, qui nous fait plaisir, dans le bon ordre, en conduisant soi-même sa voiture. Parce que si c'est le principe en acte, en acceptance, c'est une commitment thérapie, thérapie de l'acceptation et de l'engagement, il parle de ça, du bus. Donc, soit tu conduis le bus de ta vie, soit tu as quelqu'un dans le fond du bus, un des passagers qui vient dire « Oh, mais t'es fou, t'es nul, fais pas ça !» Parce qu'on a appris, par exemple, toute ta jeunesse, on t'a dit que t'étais nul, donc tu as bien compris que t'étais nul. Donc, dès que tu dis « Ah, je vais faire un chouette truc pour changer », tu as derrière, dans le fond du bus, le « t'es nul » qui arrive, qui te tape sur l'épaule et qui te dit « Non, non, ça, c'est pas possible, t'es trop nul. » Ah bon, et puis alors tu reprends, tu te remets là sur l'autoroute, sur la seule malheureuse petite autoroute qui te reste. Et là, en tant que coach, c'est là que tu poses la question. Et donc, c'est qui conduit le bus exactement? Et là, les gens comprennent que leurs pensées horribles qu'ils ont héritées de leur enfance, de leur adolescence, ou de leur âge, début d'adulte, leur pourrit la vie. Et qu'en fait, c'est plus eux, c'est pas vraiment eux qui décident. C'est une pensée qui va dire non, tu peux pas, on va te juger, c'est pas possible, t'es nul, t'y arriveras pas, enfin, tous ces super trucs. Donc 10h10, c'est toi qui conduis ton bus, c'est vraiment l'idée. Donc 10h10, love-toi et marche. Love-toi et marche. Alors donc, quel est ton demain à toi? Mon futur à moi, donc, je me suis projeté un petit peu dans un an et demi environ, donc le 31 décembre 2021. Okay. Le 31 décembre 2021, en tant que leader de Terra, je suis monté dans les rangs, c'est-à-dire que j'ai agrandi mon équipe de gens qui eux-mêmes ont agrandi leur équipe, de personnes qui eux-mêmes sont conseillers bien-être et qui aident plein de gens à prendre soin d'eux avec des produits naturels. Et moi, ça me va très bien. Plus je connais doTERRA, alors mieux je suis avec ça. Et grâce à ce leadership que je peux impulser de plus en plus dans mon arbre, comme ils disent, eh bien, j'ai la chance de croiser plein de personnes extraordinaires qui sont motivées. Et moi, comme je suis coach, ça tombe bien, parce que la motivation, c'est chouette, mais leur donner confiance en elles, leur donner envie d'aller plus loin, être juste content d'être là, tu vois, ce style de petites choses qui, en fait, n'a pas de prix. Moi, je peux les aider, je peux leur offrir ça. Alors,
quand je dis je peux leur offrir ça, c'est en toute humilité. Hein, parce que le premier truc que je dis à mes coachés, c'est vous avez du bol, vous êtes tombé sur un super coach parce que j'ai deux qualités exceptionnelles. La première, c'est que je suis stupide, alors je vais vous poser plein de questions. Et la deuxième, c'est que je suis paresseux, alors soyons clairs, c'est vous qui allez bosser. Il n'empêche que l'idée, c'est de les accompagner dans leur travail pour être bien. Et donc, le 1er janvier 2022, je me lance dans du nanocrédit. Donc, c'est un peu du microcrédit, mais en plus petit parce que je ne suis pas une banque. Et ce nanocrédit, l'idée, c'est de pouvoir réinjecter le surplus de ce que je vais gagner parce que si ça marche vraiment bien, ça va vraiment rentrer pas mal d'argent. Jamais je vais dépenser tout ça parce que je ne suis pas quelqu'un qui vit dans le luxe. D'ailleurs, ça ne m'intéresse pas spécialement. Par contre, pouvoir aider plein de petits porteurs de projets de manière assez locale, et les trois que j'ai identifiés maintenant et qui d'ailleurs peuvent très bien se combiner, c'est soit des jeunes à qui on ne fait pas confiance parce qu'ils sont jeunes, tu vois, ou inexpérimentés, ou parce qu'ils ont un truc qui n'est pas assez rentable. Il ne faut pas venir chez moi avec l'idée de faire une app, par exemple. Par contre, si tu as l'idée de faire un potager collectif ou un truc qui est écologique, durable, local et qui te crée du lien, bah oui, et ce n'est pas l'histoire de 500 000 euros en général. C'est parfois plein de petites sommes, mais ces petites sommes font la différence. C'est la différence entre ça se fait et ça ne se fait pas, autant que ça se fasse. C'est aussi toutes les initiatives qui vont dans le sens de raccorder les générations. Donc, tu vois, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la famille a complètement explosé pour se retrouver en noyau, ce qui fait que recréer du lien entre la génération des grands-parents et la génération des petits-enfants, ou un peu si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, tu vois, tout le vieux truc, reconnecter les deux de manière à ce que justement il y ait un transfert d'expérience et un transfert d'envie, de motricité, je sais pas très bien comment dire, parce que motricité ça fait un peu psychomoteur, mais de force, de puissance d'action, se reconnecter. Et le troisième axe, c'est remettre les chômeurs au travail, parce que souvent moi ce que je constate quelque part, c'est peut-être une idée, c'est que ça manque un peu de sens, le monde du travail. Donc être chômeur, c'est déjà pénible, mais en plus ne pas avoir le sens ou avoir perdu le sens des choses au fur et à mesure, c'est difficile. Donc remettre, et peut-être dans des potagers collectifs aussi, c'est l'idée, faire quelque chose avec ces trois choses, n'en faire qu'une, mais donc remettre du sens dans la vie des chômeurs et, si possible, les remettre au travail, tout ça étant quelque part au service de la communauté, mais ça commence aussi par le service des gens entre eux. La solidarité, c'est amusant, on la retrouve. On est en plein confinement, on est chacun chez soi et on parle de solidarité plus que depuis, à mon avis, la création des Restos du Cœur, quoi, tu vois, plus que depuis les années 90. Et en même temps, elle est là. C'est juste qu'on ne la regarde pas. Mais elle est là. Et ce n'est pas qu'elle est là maintenant dans la société. C'est que ça fait vraiment partie du fonctionnement humain de base. Depuis toujours, on a toujours été solidaire, on a toujours vécu en tribu à la base. Donc, c'est une évidence, la solidarité. Sauf qu'on l'a oublié. Parce que la société, gentiment, nous a dit que c'est mieux d'être tout seul. Parce que c'est bien d'être fort, tout seul, et d'écraser ton voisin. Les gens se sentent vraiment bien dans la solidarité, en fait. Dès qu'ils peuvent aider, il y a quelque chose, voilà. Ils se sentent beaucoup mieux. Clairement. Voilà, donc le projet dans un an et demi, c'est de commencer à lancer, soutenir des micro-projets ou des nano-projets, je ne sais pas comment dire, et de pouvoir vraiment les soutenir financièrement, parce que souvent, c'est ce qui manque. Voilà, mais pour ça, j'ai tout un boulot à faire avec doTERRA et avec du coaching de haut niveau et des choses comme ça. D'accord. Et en tout cas, ça va être des sortes de partenariats, puisque tu vas être convaincu par les projets, tu vas aussi être là pour les porter. Bien sûr. Vous allez travailler comme ça un peu en partenariat, quoi, sur l'évolution des projets, sur la faisabilité des projets. Okay. Je ne suis pas business angel, je ne suis même pas businessman. Enfin, je sais comment fonctionne une entreprise. Hein. J'ai la mienne, elle n'est pas grande, mais je vois comment ça marche. J'ai toujours été indépendant, donc ça me va. Mais travailler sur le mindset, travailler sur la confiance en soi, travailler sur la capacité d'action, travailler sur le why, le what, le when, le how, tout ce que tu veux, enfin, toutes les questions ouvertes. Aider les gens à s'épanouir. C'est-à-dire, le mot épanouissement, ça veut simplement dire libérer leur plein potentiel. Donc, si tu as envie de quelque chose et que si tu es capable de le rêver, c'est que tu es capable d'y aller. Et puis après, il y a plein de freins à tous les coups. Hein. Sinon, ce serait fait. Et tous ces freins-là, ça, c'est un job de coach, d'aider les gens qui vont bien à aller mieux et d'enlever tous les freins qui empêchent, qui obstruent le passage, de manière à pouvoir accéder à là où on s'est projeté. Parce qu'on ne s'y est pas projeté pour rien. Donc,
là, je peux soutenir effectivement beaucoup et voir effectivement si, avec un côté un peu une prise de recul, parce que ça, c'est aussi un job, c'est d'aider les gens à prendre du recul. Une fois qu'ils ont le nez dans le guidon, ils ne voient plus que le guidon. C'est assez logique. Mais c'est normal aussi, ils sont dans leur projet, ils sont super à fond, donc ça paraît vraiment très très bien. Et en même temps, les aider à prendre du recul, les aider à réfléchir, à se recomposer, une manière de fonctionner, la stratégie, une manière de trouver des supports, des sponsors, tout ça, oui, c'est, moi je trouve ça super excitant. Et je ne le ferai pas tout seul, je le ferai avec une équipe de gens que j'aurai l'occasion de trouver, avec qui, de toute façon, il y aura cette énergie. Je ne peux pas concevoir. En fait, ça vient de passer dans mon esprit. Quand ça passe dans mon esprit, j'écoute. Quand j'étais petit, mais petit, hein, je veux dire école primaire, moi, mon rêve, c'était d'être dans un commando et pas un commando armé, juste d'avoir tous mes amis autour de moi avec chacun sa spécialité. Ça, c'est le principe du commando. Donc, chacun fait un truc que les autres ne savent pas faire. Tout le monde connaît un peu toute l'histoire, mais chacun fait un truc que tout le monde ne sait pas faire. Et ensemble, on arrive à réaliser quelque chose de super chouette. Alors, j'ai attendu un peu longtemps, mais je crois que là, le moment est venu de créer mon commando. Ouais, je pense que c'est assez clair. Commando collectif et le propulser, en tout cas. Le propulser et surtout, moi, j'adore ces échanges d'idées. J'ai besoin, quelque part, de leadership. Parce que j'ai besoin d'avoir, si nécessaire, quand je vois que ça part en sucette, de pouvoir dire non, stop. Mais tant que ça se passe bien, ça se passe super bien, quoi. Et si on est aligné sur l'idée, sur comment et sur l'idée, que chacun apporte des trésors d'expérience, d'inventivité, de créativité, il n'y a rien de tel que de demander à un graphiste. On crée le cadre, d'ailleurs, à mon avis, en tant que réalisatrice, ça doit te parler. Donc, tu crées le cadre de ce que tu veux, tu es le plus précis possible, histoire que ça ne parte pas dans tous les sens, et puis tu dis voilà, dans ce cadre-là, c'est ouvert, feel free, vraiment explose ta créativité. Une fois que le pitch est assez cadré, c'est souvent des cadeaux incroyables. On dit, ah ouais, ça, c'est, j'aurais jamais pensé à ça, et c'est splendide, quoi. Donc, non, c'est très, très chouette. Eh bien, quel beau projet! Et du coup, j'ai envie de savoir un petit peu parce que ta vision en fait du monde actuel, des changements qui vont se produire, de l'impact qu'aura eu cette période. Il y a deux choses qui sont un peu contradictoires. La première, c'est que ça a mis un grand coup de pied dans quelque chose. On pensait que cette économie était incapable de s'arrêter. On pensait qu'on était amené, par définition, dans une espèce de surinflation d'actions pour gagner de plus en plus d'argent, de la croissance à tout prix depuis les années 70, de manière évidente. Il y a un moment où ce système devait s'arrêter, mais personne n'aurait pensé que ça s'arrêterait en deux jours, parce que ça, c'était vraiment en 24 heures, en fait. Mes enfants étaient à l'école un jour, et le lendemain, ils ont appris qu'ils n'y allaient plus. Donc, il y a moyen d'arrêter le train. Ça, c'est un truc de fou. C'était vraiment incroyable. Et depuis que le train est arrêté, tout le monde se dit « Ah !» Et c'est là où il y a deux possibilités, deux grandes possibilités. La première, c'est vivement que ça redémarre. Donc, en Belgique, je ne sais pas si c'est la même chose chez vous, ils ont rouvert les drive-in des fast-food la semaine dernière, et 3h30 de file pour aller chercher son hamburger et ses frites. Quand même, je me dis « Ouh !» On est mal. Ouais. Je trouvais ça fun. Mais bon, voilà. Ça, il y a des gens qui vont retourner au monde d'avant le plus vite possible. Ouais. Parce que voilà, c'est la zone de confort. Et à côté de ça, il y a quand même des gens qui vont se dire non, la trajectoire qu'a pris la société était tellement trop tout et n'importe quoi, trop et superficielle en même temps. Parce que l'image, c'est le paraître, c'est pas l'être. Je veux dire, il y a quand même toujours une différence. Il faut quelque part que ça cesse et retrouver un autre chemin. Je suis plutôt partisan de l'autre chemin en soi, donc c'est-à-dire plus de personnes qui sont capables de choisir leur destin. Parce que si les gens prennent leur destin en main, il y a quelque chose qui va changer. Parce qu'ils ne feront plus nécessairement ce qu'on attend d'eux, ce qu'on leur a appris. Ils ne se laisseront plus pressuriser de boulot. Parce que ce que je constate, moi j'ai toujours été indépendant, mais j'ai toujours bossé aussi avec des gens qui étaient dans des entreprises, dans des rédactions, chez des éditeurs. La masse de travail en 25 ans, je pense que pour la plupart des gens, elle a pratiquement doublé. Pour le même salaire, parce que lui, il n'a pas doublé, enfin bon, il a un peu grandi, mais pas énormément.
Et pour une équipe qui a souvent été divisée par deux aussi, avec en plus un côté on n'est plus hiérarchique, mais tu fais quand même ce que je te demande, qui vraiment bizarre quoi. Je pense et j'espère que les gens en ont marre et qu'ils auront envie de retrouver leur liberté, leur autonomie, leur pouvoir de décision, leur libre arbitre pour avancer dans une vie qui leur ressemble. Et ça veut dire, et ça c'est un boulot de coach vraiment évident, traverser tout un rideau de peur. Oui. Parce que la peur de manquer, la peur de ne pas avoir d'argent, la Oui. peur de l'inconnu, la peur d'être rejeté, c'est énormément de peur. Et en même temps, quand on sait comment fonctionne la peur, c'est un vrai nuage de fumée. En se disant, merde, c'est un gros mur. Non, c'est qu'un nuage de fumée. Mais tant que tu vois que, c'est un peu, il y a des pubs maintenant, on va chaque année en Finlande, nous, parce que ma femme est finlandaise. Et il y a cette galerie commerçante où tu rentres, t'as ton petit escalator là, et puis il y a un nuage de fumée, vraiment, de vapeur, dans lequel ils projettent une publicité. D'accord. Et donc c'est assez joli, c'est une publicité un peu vaporeuse, puis tu la traverses, parce que tu montes juste, tu passes à travers la publicité. Ben ça, c'est une peur. C'est le principe en tout cas. On va la voir, on va être attiré, notre énergie va aller par là aussi, parce qu'on est quand même super prudents, hein, nous les êtres humains. On est issus d'une très longue lignée de gens prudents, tous ceux qui n'ont pas été sont morts. Je vais finir d'abord avec la pub. Et donc cette peur, on la voit et on passe à travers. Et en fait, on se rend compte que derrière, il y a autre chose. Et que ce autre chose, une fois qu'on a passé la peur, on va le gérer. Tant qu'on en a peur, oula, tant qu'on en a peur, ben on n'y va pas. On en a peur, donc on reste bien à distance de la peur. Et souvent, on commence à avoir peur d'avoir peur, donc on met encore un cran de distance. Et une fois que tu traverses la peur, il y a plein de méthodes pour ça, hein, entre autres, Tipeee est une méthode de base, hein. Quand tu traverses la peur, et bien d'un coup, tu te rends compte que tu as un truc à gérer. C'est pas la même chose. Et une fois que tu as à gérer, bah, tu n'as pas dans le mindset je vais repartir de là d'où je viens, j'avais justement peur. Non, non, tu vas faire quelque chose, ça va augmenter ton expérience. Et si tout se passe bien, ça va augmenter ta capacité à le faire. Et donc, ça va diminuer ta peur. Parce que, même chose, la peur de l'échec, ça c'est aussi un truc dont on parle beaucoup, hein. En fait, ça n'existe pas. Si, bien sûr, tout le monde a peur de l'échec, c'est pas la question. C'est l'échec qui n'existe pas. L'échec, quand tu apprends à marcher, il n'y en a pas. Et puis, comme disait Mandela, moi, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Donc, je n'échoue jamais. Soit je réussis, soit j'apprends. Donc, le principe même de l'échec, c'est aussi, c'est encore une peur. Il y a pas mal de trucs à faire, hein, en tant que coach pour casser tout machin. En tout cas, c'est clair que si vous avez envie de changer de vie, de changer de métier et enfin d'envoyer tout balader parce que ça ne vous correspond plus, faites-vous accompagner parce que les coachs ultra formés sont là justement pour vous accompagner, pour vous soutenir. Et ne vous l'interdisez pas parce que oui, changer de vie, c'est possible. Oh, mais de toute façon, c'est évident. Enfin, c'est évident. On en voit, on en accompagne, et puis c'est évident aussi parce qu'on le fait. Enfin, en tout cas, si on veut vraiment coacher les gens, un des trucs qu'on m'a appris quand j'ai été formé, c'est que tu ne peux amener la personne que tu accompagnes que là, jusque-là où toi-même tu es capable d'aller. Oui. Enfin, bref, tu as compris. Donc, mon job à moi en tant que coach, c'est d'aller le plus haut possible pour moi. Et de découvrir ces nouveaux horizons et de me fixer des objectifs, comme j'en ai parlé tout à l'heure, de manière à aussi pouvoir amener les gens le plus loin possible. Je pense qu'il y a 10 ans, quelqu'un a pleuré devant moi. Le premier truc que je faisais, c'est arrête de pleurer. Quand je faisais un truc pour que ça arrête, je le faisais rire, je le faisais changer d'idée, etc. Mais bon, il repartait avec sa tristesse. Donc, c'était pas. Maintenant que je pleure aussi, il peut pleurer avec moi. Enfin, bref. Maintenant, je suis plus à l'aise. Et donc, ça fait partie vraiment du job de coach, de montrer le chemin. Je crois que c'était assez évident. Et on pleure pas à tous les coups, hein. Des fois on se marre bien en coaching. Général, on se marre bien. Mais Oui, bon, quand on se c'est. rend compte quand on, des fois les prises de conscience nous font rire, quoi. Et ça débloque aussi le rire. Ouais, de toute façon, tout est bon à prendre en coaching. Et ça, c'est très chouette aussi. C'est vient ce qui est là, et là ce qui vient. Il n'y a pas d'idée préconçue, c'est toujours à la carte en fait. Tu accompagnes, c'est ça, accompagner. C'est pas de dire aux gens, écoute, j'ai un chemin pour toi, tu vas par là. Ça, c'est plus accompagner. Et la personne est sur son chemin, elle continue sa route, et puis on sert de béquille à la base, et puis simplement on touche le bras, et puis après on est juste à côté, et puis après elle part. Et elle est toute seule, elle est bien sur son chemin, et quand elle dit au revoir, il y a le moment dans ce chemin, il y a le moment où tu vois que. Ok, c'est bon.
tu vois l'œil qui pétille, tu vois la personne qui fait un 360 à l'intérieur ou un 180 à l'intérieur, c'est selon. Tu vois les yeux qui commencent à pétiller et là, tu sais que tu as fait du bon boulot. Et tu sais aussi qu'en général, la séance suivante, c'est bon, bah, écoute, bah, ça va. Je pense qu'on va plus se voir. Et là, tu dis au revoir et merci. Et c'est vraiment c'est un boulot parfait. Je trouve ça vraiment super. Alors, en tout cas, toi, tu as envie qu'après ce confinement, bah, il y ait des vrais changements qui s'opèrent. Et en tout cas, tu es là pour pouvoir accompagner les personnes qui souhaiteraient être accompagnées. Oui, et il va s'opérer aussi, je pense, qu'on va retrouver du vrai lien parce qu'on va en avoir besoin, on s'est rendu compte. C'est chouette les outils à distance et en même temps, un vrai hug, prendre les gens vraiment dans les bras, pouvoir vraiment les embrasser, pouvoir les serrer très fort. Bah, perso, moi, ça me manque un peu. Et pouvoir se retrouver dans la même pièce. C'est pour ça que je crois que le marketing relationnel, c'est maintenant. Parce que les gens vont avoir vraiment tellement besoin de pouvoir échanger en vrai qu'ils aient en plus une bonne raison pour le faire. C'est pas plus mal. C'est clair. Bon, et ben écoute, merci beaucoup, Patrick. Là, tu as pas tes enfants ce week-end. Non, ils reviennent lundi. Je vais pouvoir prendre ma voiture. Bon, et ben écoute, je te rends à ton épouse, en tout cas. Merci beaucoup. J'espère. Et puis, bah, écoute, merci beaucoup pour ce partage. Et puis, on reste en contact, nous. Et au revoir à tous et merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt. À bientôt. Au revoir.